C'est le plus rien. Alors cette fois-ci, j'en ai souvent parlé, je vais vous parler de Pipix. Donc c'est ce logiciel-là qui il a une nouvelle version, donc voilà celle-là, qui va nous servir en fait pour donc Minecraft, pour créer des pour avoir pour modifier, changer de version quand on veut. C'est bien parce que en fait il y a quelques petits problèmes, donc il faudra que je mette à jour. Après vous avez quelques mods, donc c'est franchement super. Donc il y a, vous voyez, des mods de la 1.7 bêta, 1.8 bêta même, de la 1, et après ça va jusqu'à la 1.6.2 par exemple. En fait vous avez juste à cliquer sur ce que vous voulez, par exemple GameCube, donc je vais faire bientôt un truc dessus. Vous avez le lien officiel, le lien en français si vous jamais voulez voir ce que c'est. Mais vous avez juste à faire installer, ça va l'installer absolument tout seul. Donc, franchement, en pratique, il y a quelques texture pack, mais bon, le texture pack après, c'est pas franchement ce qu'il y a plus compliqué. Pareil pour les maps. Là, c'est quelques sauvegardes. Et là, il y a deux options. Donc, en option, il y a le chemin de Minecraft. Donc, normalement, c'est de suite, il me semble. Et après, faut mettre le nouveau launcher. Même si vous ne l'avez pas, moi, je ne l'ai pas mis tout celui-là, mais ça marche, il n'y a pas de problème. Tant pis. Voilà. Donc, je n'ai pas envie de faire grand-chose dessus parce que pour l'instant, moi, j'ai mes trucs, je suis content. Donc je vais juste vous mettre, bon je sais pas, il y a celui-là par exemple, donc vous voyez vous faites installer, que nous ok, hop, des grandes potions du monde, installation du mode. Attention, ça peut charger, ça prend... Là, il est petit, mais au maximum que ça prend, c'est... Déjà, j'en ai jamais vu un qui dure plus de 2 minutes. Donc, c'est quand même... Voilà. Pipix s'est installé le mode Optifine avec succès. Ok. Donc, pour info, Optifine, c'est pour ceux qui ont des ordinateurs qui rament pour avoir un peu plus de FPS. Ou après, il y a quelques options. Peut-être que je ferai un petit truc dessus pour modifier. C'est pas impossible que je le fasse maintenant même. Ouais, je pense que ça va, je vais le mettre avec celui-là, donc Pipix, c'est un petit truc pour un peu baisser vos FPS, quoi, parce que j'étais au début, j'avais 3 FPS, quoi. C'était franchement une horreur. Donc je mettrai juste le lien, donc c'est hyper facile, hein, le lien. D'accord. Donc la page officielle, c'est celle-là. Hop, hop, hop. Donc pixel-live.org/pipix et vous arrivez. Voilà, sur cette page. Et vous avez download, téléchargement, la description. Donc les pages de download. Donc je sais plus si j'ai vu, je crois que j'ai vu. Il vaut mieux prendre ça, hein, à mon avis. Parce que ça c'est un point exe, donc vous avez juste à lancer. Alors que ça c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il vous faudra WinRAR. Le bug de décompression. Bon, voilà. Donc je fais une petite pause. Parce que là, je sais pas si vous l'avez remarqué, j'étais avec un autre. J'avais pas Fraps. Donc parce que tout simplement je peux pas prendre mon bureau. Avec Fraps, donc voilà. Allez, une petite pause. Salut les loups, donc rebonjour. Donc voilà, ça c'est donc je pense que vous le reconnaîtrez. Donc sur la map, vous voyez là, je suis à 13 FPS. Donc on va mettre, c'est ce qu'il y a en haut là. Juste la première ligne, le premier truc entre parenthèses. Voilà, les FPS. Donc c'est les, pardon, les images par seconde. Donc c'est ce qui est important. Le but, c'est qu'ils augmentent. Là encore, ça va parce que je sais pas pourquoi. Le but, c'est plus bas. Donc ce que je vais faire, c'est que on va faire les options. Alors déjà, là, il n'y a rien. C'est la musique. La sensibilité, c'est comme vous voulez.
Mais c'est pas un gravier. Déjà, on fait rapide. On passe à 22. La luminosité, que ça a un peu baissé, mais ça va vous permettre de beaucoup mieux voir. Les particules réduites. Même pas. Ça change même pas, ça c'est pas grave. Distance de rendu, vous mettez mini ou courte. Les performances, FPS max. Vous enlevez les nuages et vous enlevez le mouvement de tête. Et on est là à 24, oui, on fait ce qu'on veut, il n'y a pas de lag. Voilà, donc c'était un tout petit truc. Donc le plus important déjà, vous voyez, c'est mettre ça en rapide. La luminosité, franchement, je vous conseille de le mettre. Ça peut paraître assez con, mais en fait, la luminosité... Bon, là, vous voyez qu'il y a quand même un peu de bug, quand même petit. Donc je vais faire vite les particules. Voilà, vous voyez, là, il y a déjà beaucoup moins de bugs. Alors qu'avant, si jamais je le mettrais comme au début. Donc vraiment, le plus important, c'est mettre en graphique rapide. Ah oui, pour ceux qui ont... Enfin, j'ai pas graffé dessus, mais j'ai fait un petit enclos pour les chevaux. Ben c'est ce, voilà, c'était bon. Petit truc à moi. Je sais pas. Bon, après, je filme, hein, donc c'est un peu plus bas quand même. Mais voilà, donc... C'était si jamais vous, si votre ordi rame comme pas permis, vous avez ces petits trucs là à faire. C'est 5-6 petits trucs. Luminosité, c'est si vous minez. Si vous minez avec max, il n'y a quasiment jamais besoin de mettre de torches. Bon, on en met quand même pour paquer des mobs, mais juste là, si j'ai minimum, accepter, accepter. Retour au jeu, vous voyez, on va pas super super. Et si jamais. Je mets max, vous allez voir la différence. Comme c'est beaucoup beaucoup plus clair. On a besoin d'un truc pendant le jour, on va faire un semi-noir. Ben, sur ce, tiens les loups, et je vous laisse choisir une autre vidéo. J'essaie de vous mettre un autre petit lien tranquille. Et j'espère que ma petite intro vous aura plu. Allez, à plus.